nous donnerons le nom à une avenue de Nice, une grande avenue qui sera toute proche de cette baie des anges qu'il a si bien raconté dans une saga extraordinaire qui a été une de ses premières œuvres. Nice doit cela à cet enfant de Nice qui a tant honoré à la fois sa cité et honoré la France tout simplement. Et il avait une force vitale extraordinaire. Il se levait à 3h du matin sans réveil pour écrire jusqu'à midi à peu près. Et ensuite, comme il le disait, il traînait. Et puis il allait se coucher pas trop tard et se remettait à écrire le lendemain. Ça a été le rythme toute sa vie et c'était aussi la façon dont il a surmonté le suicide de sa fille Anne, qui était mon amie d'enfance à Nice.